Ah, bonjour à tous, bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de Stardew Valley avec, comme je le disais à l'instant, sur Twitch, avec comme objectif d'aller capturer peut-être, d'aller pêcher en tout cas, hein. Ce ne sont pas des Pokémon, quoique certains, on pourrait croire que c'est des Léviathans, mais on va tenter de pêcher un Poiscaille légendaire, et ça promet les bonnes ambiances. Ça promet quelques énervements, mais ça promet aussi beaucoup de détente, un ovni qui passe ici, beaucoup de détente, beaucoup de joie. Et beaucoup d'émotions sur ce stream. Allez, c'est parti, nouvelle journée de Joey. Alors, évidemment, on va avoir des trucs à récolter, c'est ça? On aura le temps de rien. Et en tout cas, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont présents sur le stream. Et merci à tous ceux qui n'ont pas disparu pendant la pause. Ah, salut! Alors, désolé pour l'odeur, j'étais en sueur. Ah non, ça va, c'est pas comme dans Kingdom Come. Je peux tout montrer. Alors j'ai eu peur. Alors, le zoubi. Ça commence bien, mais oui, toujours. Ah, vous savez le professionnalisme de ces streams. Allez, on va tout récolter. Salut, poulette. Ah là là. C'est pour ça la pause finalement. C'est pour être prêt à ces moments de stream. Ouais. Les leurs, je m'en rappelle. La truffe. Oh putain, merde. Oh, il y en a une deuxième. Et une deuxième truffe. Nice. Oui, c'est le légendaire de Hearthstone. Il me fait tellement marrer aussi. Re-Spark. Ah oui, c'est vrai que la cheminée en plein été. On va pouvoir. Oh putain, 3! 3, c'est quand même incroyable. Ah, je te mets au défi d'attraper un poisson non commun avec la canne à pêche de début, mon dieu. Ça pourrait être rigolo de faire des conneries comme ça après. En effet. Mais là, j'y crois zéro. Non. On va garder les truffes sur nous. Vu que ça va assez vite. Qu'est-ce que je voulais faire du coup? On va prendre des choux-fleurs. Ah oui, de l'hydromel. Hydromel, très bien. On va remettre ça et ça. Non. On va garder les bouteilles de vin, tout ça on pourra les vendre. Très bien. On va aller voir s'il y a des trucs. Une truffe de côté pour le centre. Oui, exact. Bien vu, Merek. Merci. Non, rien de plus. Ok, ça marche. Ça fait du chemin. On a un champ gigantesque. On va mettre ça de côté, la truffe. Dans celui-ci. Hop, comme ça on y pense. Faut arroser. Merci pirate, oh, j'y ai pensé en même temps. Ah mais il paraît que c'est une légende urbaine, le coup de l'éclair. On en a entendu parler, mais semble-t-il que c'est une légende urbaine. Et on va faire aussi ça. On va accrocher à la canne. J'ai plus que 16 appâts, putain. 16 appâts, c'est pas beaucoup. Le champignon, on a tout ce qu'il faut pour la MJC. Allez. Allons pêcher. Ouais, du coup, paratonnerre, safe. Il paraît que c'est une légende urbaine. Alors attention à vos coffres. Hein. Parce que ça, c'est. Alors est-ce que c'est un.
Oh putain! La folie, d'accord. Oh la poisse. La grosse poisse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous savez ce que je fais? Parce que moi je ne sais pas en fait. Moi je sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'on va aller acheter des appâts du coup? On va acheter des appâts parce que ça. Non, non, je vais pêcher. 5. Oh, ça va, on va en acheter. Oh, ça coûte rien, on va pas se faire chier. Ça coûte que dalle. Voilà. Oh mon dieu, cette poisse incommensurable. Ok, ça marche. Merci pour les infos. On fera un tour MJC Gunther bientôt. Des petits points info rage. Ouais, ça se craft aussi, mais j'ai plus de chair de monstre. Mais du coup, là, il peut pas y avoir le légendaire, on est d'accord. Il faut vraiment être en bas vers la droite pour avoir le légendaire. Est-ce que tout le monde est d'accord à ce sujet-là? Ou est-ce qu'en fait on s'en fout? La ressource est simple à choper en effet, mais faut aller dans ces zones-là où on ne va plus du tout parce qu'on en a plus besoin. Les légendaires apparaissent seulement dans les bulles? D'accord. Ah, j'ai vu ton. A plus tard, moult bisous, Mini Choi. Merci d'être passé, ça fait plaisir. La loose. Ok, bon, pas forcément les bulles. Donc on va se mettre ici. Et on va manger un truc comme ça. Et on va se remettre là. C'est le seul endroit où on l'a vu, donc on va se mettre là. Au pire, on aura peut-être un fugu. Bah. Suffisait d'en parler. Un petit fugu pour la Kate. Oh putain. Oh là là. Incroyable. Putain, on l'avait eu. On l'a vu. On l'a vu, on l'a vu. Il était beau et il est parti. Bon, en tout cas, ici, il pop. Putain. Je me dis, je descends pas trop bas parce qu'il va. Il va remonter, pas du tout. Bah. Allez. Mais incroyable! C'est de la merde en bois. Donnez-nous des poissons. Mais ouais, c'est déjà plus faisable avec les 3 points en pêche supplémentaire. Avec la jauge un peu plus grande, parce que sinon sans ça, c'est compliqué. Hein. Ah, ça promet d'être une journée épanouissante. Et pour les tables, vous vous souvenez ce qu'il faut? Il faut du moult bois dur.
Je pêche, pardon. Clavier, souris. Je m'y suis habitué en fait. C'est moins le bordel quand même. D'accord. Ça marche, merci beaucoup. Merci, merci, c'est gentil. Et du coup, c'était quoi l'hameçon spécial? C'est pas celui-là que j'ai fait du coup? L'hameçon spécial, ça serait lequel du coup? Augmente les chances de trouver un trésor, non? Ah, c'est peut-être ça. Ralentit la fuite des poissons. Est-ce que vous n'êtes pas en train de les remonter? Ah, c'était le flotteur piégé qu'il fallait? C'est la chose de jeu. Ah putain, c'était peut-être ça. C'était mieux que commenter. Merde. Ouais. Ah, faut accepter le message. C'est bon, ça a été fait. Ok, je sais pas pourquoi le message a été. D'accord, putain. On va rester comme ça. Yeah, on fera peut-être un aller-retour après. Twitch m'en veut comme d'hab. Ouais, je sais pas encore quel est le mot qui a. Faut que je supprime. Dans les options, je dois pouvoir supprimer mon truc. Ça marche, bon appétit. Merci d'être passé comme toujours. Et puis bah, on se voit ce week-end. Ouais, mais c'est le truc automatique, c'est un peu de la chiasse en barquette. Des oubis. Ouais, donc avec le truc piégé, ça sera mieux. Putain, mais je regarde le chat et... Calimero. Ouais, moi aussi je vois toujours en bleu, pas de soucis, même sur le retour. Bon bah demain on est paré pour faire la même chose mais avec l'autre truc, le flotteur piégé. C'est tellement un gamble en fait. C'est un pari sur ce qu'il va faire, c'est vraiment un gros pari sur ce qu'il va faire. Ça sera mieux avec l'autre, je pense. Ah, coucou. Ah, l'équipement s'est usé. Alors, j'ai tellement envie hein, d'aller... faire le truc piégé. Bon. Oh, encore des trucs. De toute façon, voilà. Parfait. Mon bonus s'est éteint. Je suis pas certain qu'on puisse choper le légendaire en nocturne. Donc, on reviendra demain. Je pense que c'est quand même la meilleure des choses à faire. On reviendra demain. On va aller voir si elle bosse. Est-ce que Robin bosse? Est-ce que Robinson Crusoe est finalement? La question que tout le monde se pose. J'ai rien pour la MJC là. Allez, c'est parti. Bonjour.
Et bien sûr, elle travaille pas. Comme d'habitude, hein, elle ne travaille jamais. Et après, elle se plaint. Ça, c'est la pro. La pro de... Probablement, elle est française. Toujours à se plaindre, jamais à travailler, finalement. Oh, je vais me faire taper sur les doigts encore. Mais non, mais il bosse jamais, c'est ça. C'est incroyable. Truffe. Ah, l'hydromel qui se fait si rapidement. Hop. Très bien. Très bien. Elle travaille entre 11 et à 15 heures. Non, mais c'est sérieusement. Incroyable, la grève. On va remettre du miel ici. Non, le miel, j'ai dit. Miel, 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 où es-tu? Ça, faut le garder. C'est ça. Le chien ouf. Ça, faut le garder. Et c'est tout. Ah, les débats sur la grève, on peut en parler. Ça, je peux le vendre du coup. Ça, on va le garder évidemment. Les cadeaux pour notre feu meuf. On peut remettre un peu de fer. Hop. Du cuivre et de la sève, il nous fallait. On peut même peut-être s'en faire deux, je sais pas. On va reprendre une barre de cuivre. On va en faire deux pour demain. Non. Ce sera pas trop peut-être. Hop là. Je vais aller voir. Ouais. Je sais plus si je suis allé voir ce matin. On va mettre ça là. Ça, on va le ranger également. On n'a plus besoin. Ah, les années bonus. Le grand chelem. Hein. Surtout le grand chelem, important. Ça, quand on va voir la récolte de myrtilles, on va tellement se faire des couilles en or, de l'infini. Garanti. Est-ce qu'il y a assez d'herbes là pour les petits animaux? Ils mangent comme des morphalus. Hein. Ah, ils mangent comme des morphalus. Ça a pas le temps de repousser. Faudrait attendre un peu. Il mange plus que ça ne repousse. Plutôt plusieurs leurres plus que deux. Tu penses? De toute façon, j'ai tellement de cuivre, je peux en faire 4. Oui, je crois que ça va être un petit peu ça, pirate. Hop là. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bah écoutez, 20 h est un petit peu tôt, mais on va quand même aller se coucher. J'ai passé une bonne journée, très calme. Comment s'est passée la tienne? Non, c'était bien. On pêche du poisson légendaire. Allez, au dodo. Allez, est-ce qu'aujourd'hui c'est la bonne? Non mais sans récolte, 10 000 balles. Sérieusement, c'est tellement des sous. Et un légendaire par saison. Ok, ça marche, Ikari. Merci beaucoup. Oui, de toute façon, c'est jamais perdu. Salut! Ah, mais désolé, je suis trempé, j'étais en sueur. Oh, mais. Ah... Oh là là, mais. Elle est en sueur parce qu'elle fait des bad trips ou parce que. Oh, enfin, je sais pas. Au début, je croyais que c'était un petit peu salace, mais je suis en train de me dire, c'est parce qu'elle a la gueule de bois, oui. Ah, première année. Ah merde, j'ai pas fait exprès, je me suis trompé de touche. Zutiflute.
Pourquoi j'ai pris tout ça? J'aurais pas dû prendre tout ça. Faisons de la place. D'abord pour les œufs. Mais oui, c'est ça, hein, c'est le manque d'alcool. Hein. Je pense aussi que c'est ça. Hein. Incroyable. Qui a eu la meilleure idée? Hein, c'était le chat, hein. De toute façon, c'était un Stropol. L'idée d'avoir épousé une alcoolique et une droguée, une toxico. Bravo. Alors vous l'aurez remarqué, on n'est plus très opti avec les vaches. On prend pas assez de lait tous les jours parce qu'on va pas voir tout le monde. En même temps, c'est tellement la galère en extérieur. Oh, une truffe. Ok. On va faire un prompton. C'est une artiste, c'est ça. Ok. Let's go. C'est tout beau. Ça pousse bien, c'est si beau. Ah putain, faut qu'on aille chercher nos pêches. Oh, petit vin de pêche. Boum, 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 boum. Allez, on va se faire un petit vin de pêche. Hydromel, on vend. De toute façon, on vend ça aussi. Allez, c'est parti. Et vivement la pluie, hein. Il nous faut la pluie pour choper les deux qui restent. Enfin, il en reste trois, hein, mais... Tu as mis des radis à gauche? Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. Je sais pas si j'ai mis des radis. Je crois pas. Hein. Pourquoi il fallait des radis? Ah, la musique s'arrête. La musique si bien. La musique entêtante. Et entraînante. Oh, il vient de pleuvoir ici. Bah ouais, mais moi je veux qu'il pleuve in-game. Allez. Légendaire. Ah non, il faut aller manger, il fallait manger. Attendez, on mange. Le bonus. Nice. Allez. Allez, c'est parti. La quête au légendaire. Bon, après deux qui pop quand il fait quand il pleut, et après le tout dernier qui nous manque, c'est en automne et quand il pleut également. Donc tout est sous contrôle. Bon, attention, aujourd'hui à 14h pile, faut que je m'en aille. Un fugu, ça. Ah, c'est plus facile, hein. Putain, mais il est plus excité qu'un légendaire. Oh! Une pieuvre! La première qu'on chope. Ah, putain. Je sais pas. Est-ce qu'on peut avoir le légendaire ici? On s'en fout, c'est juste sur ce ponton-là. Ponton-là. C'est juste qu'on a été ultra... Enfin, qu'on a plus... Bon, on verra. Bah voilà, la réponse est présente. Bâtard. Incroyable, tellement relou. Mais si, il y a le squid. Mais en plusieurs morceaux sur Twitch. Oh merde. Fini. Fini le spot de l'infini.
Allez. Bien joué, pirate. Vous allez invoquer JT. JT va débarquer, vous le savez bien. Père JT va débarquer, faites attention. Faites attention à ce que vous faites. N'oubliez pas que vous êtes responsable de vos actes. Je crois que beaucoup trop de gens ont oublié ce petit détail de la vie, qui a quand même toute son importance finalement. Je compte sur vous pour en être conscient. Allez. Putain, on a 78 000 balles. Tellement de sous. Des lunettes cassées. Encore pendant 2 minutes 30. Allez. Ça, c'est le moment détente. Non, en effet, les légendaires, faut être patient. C'est l'abnégation, hein. Vous savez, la pêche, c'est un petit peu aussi l'abnégation, hein, évidemment. Oh putain. Y a pas des bubules, c'était bien les bubules. Ah mais du coup on n'a plus le piège, enfin l'équipement de pêche qui fait qu'on drop plus de poissons. Mais voilà. Est-ce qu'on veut plus de poissons ou moins de poissons et plus de chances de le choper? Je pense que la réponse, vous la connaissez déjà. Allez. Et après, on aura quelques journées à aller déposer nos collectes et compagnie. 40 secondes. Est-ce que les légendaires mordent la nuit? Ça, on ne sait pas, par contre. Putain. Le poiscaille. Calme-toi. Nice. Encore un figu. Et ça se met en pause. Le jeu est en pause en fait le temps du mini-jeu. Pareil combien? Quand ça va s'arrêter, c'est là qu'on va choper le poisson légendaire. Garantie. Non, ça va. Bon allez, on se reprend une petite assiette. Hein. Vous reprendrez bien un petit peu de... Une assiette de la mer. En plus, ça nous remonte l'énergie, c'est parfait. Allez, on y croit. Pas comme ça, Zinedine. Incroyable. Allez, un petit légendaire. On le veut, le légendaire. Ça va nous prendre 8 jours, mais... Tout ça pourquoi au final? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on fait avec ce poisson légendaire? Ça, c'est une bonne question, finalement. Est-ce que c'est juste pour le prestige? Est-ce qu'il y a en soi une récompense? Évidemment. Mais tout de même. Mon leurre est cassé, putain, merci. Mais je vois pas quand il me dit qu'il est cassé. Ah, Merek, hein, vous savez, Merek... Les yeux de tigre. Les yeux de tigre, pardon. Légendaire, tu peux faire de l'engrais. Le putain de troll de l'infini.
Ah, moi j'ai chopé le légendaire, j'en ai fait de l'engrais de luxe. Ah, vous avez vu? Il y a des bubules. Il faut les bubules. Finalement, Moraki, dans un sens, a raison. Il faut les bubules. Tu l'as vendu ton légendaire pour avoir le truc dans la collecte? Bah non, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. J'étais en train de faire mes fertilisants. Et merde, ah putain. J'en ai fait du fertilisant. Les bubules. Les bubules, la baballe. Les bubules et la baballe. On n'est pas loin. On n'est pas loin, pirate. Les souvenirs de Blood Bowl, évidemment. Ah, va falloir qu'on retourne un peu sur Blood Bowl à un moment. Ah, nous rappeler d'où est-ce qu'on vient. Finalement. Ah. Putain, déjà plus de bulles. Oh là là. Putain, on l'aura tellement peu vu. Alors moi je retourne à mon spot à légendaire. Ah, c'est mon spot à légendaire. Le stream retourne aux racines. Ouais, 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 aux racines, mais aux racines de pissenlit. Hein. Évidemment. Ça avait tellement été la mauvaise ambiance par moment. Oh, jamais de l'infini. Jamais on les trouve. Ah. Un Cyprien doré. Oh oui! Oui, je dis oui. Mais ça sert à quoi? Par contre, ça sert à quoi? Ah. Un Cyprien doré. Est-ce qu'on va avoir 1 milliard de vues maintenant sur YouTube? Peut-être. Incroyable. Est-ce que ça me vaut une place pour le stream FR? Je sais pas, peut-être. Je vais contacter, je vais aller voir. Mais on en fait quoi en vrai? Est-ce que quelqu'un vit en eau profonde? Heureusement que c'est un mâle. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, d'accord, pirate, oui, d'accord. Je viens de comprendre. Un petit peu de temps, mais j'ai compris. En effet, c'est très sale. Bravo. J'aime beaucoup cette blague. Qu'on lui serve une bière. Bon, on en fait quoi? Faut juste le vendre? Ou pas? Finalement. Garde-le bien. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? On le garde? On le met en... On le met dans l'aquarium? Quand il sera réparé? Ah, merci Kane. Toujours présent. Petit point de forage. Bon, on va voir l'autre avec son fugu, là, de mon fion. Tu le gardes pour la collecte, pour ta collecte. Parce que pour le truc de là, la collecte ici, faut juste l'avoir vu. Ouais, oui, là. 1500... Oh, ça se vend 1500 balles par contre. Ah, je vais me faire un coffre. Ça serait bien que tu bosses, toi. Incroyable. Mais c'était pas un vrai légendaire, non? Oh, je sais pas ce que c'était. Il est où l'autre Jean-Michel? Il est encore là, non? Qu'est-ce qu'il est? Il est où? Ah, il doit être chez lui à cette heure-là. Parce que j'ai son fugu là pour un... pour les infos. Allez, demain faut qu'on vienne assez tôt. Si, c'est un des 5 légendaires. D'accord, merci. Il est pas là? Ah, il est là. Salut, tiens, en fait. Ah, te voilà, te voilà. Ce spécimen a l'air parfait. Je vais tout de suite le mettre dans la glace. Merci. De rien. Eh bien, on avait 10 000. Bon, tant pis. Mais oui, tout à fait.
On va se faire un coffre spécial. Spécial pour les poissons légendaires. On va se faire un coffre dans la maison. Parce que notre chambre à coucher est un peu vide. Et je pense qu'une odeur de poisson bien dégueulasse dans notre chambre à coucher va nous donner envie, évidemment, de nous reproduire. Je pense que c'est garanti. Ah, il mange trop, hein, il mange trop, là, j'ai trop de monde, trop d'animaux. L'hydromel. Une petite pêche. Putain, il y avait du miel, merde. Et du frometon. Oh, tellement de choses. L'inventaire est plein. Ok. Merci pour les infos. Alors le miel, on le laisse là. Alors attention, pas le vendre. Mon cyprien doré, il est là-bas. Ok, ça on vend, 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 ça on vend. Très bien. Et on va se faire un coffre. On va se faire un coffre dans la chambre pour nos poissons. Voilà, notre collecte, nos poissons préférés. Évidemment, un coffre bleu, hein, bleu dégueulasse comme ça. Bleu maritime. Évidemment. Et on va pouvoir aller se coucher. Ah, salut, ça va? Tu vas au dodo? Oh, les soirées sont si calmes et paisibles, rien ne pourra nous distraire dans notre quiétude. D'accord. Bon, allez, c'est l'heure de pioncer. Un niveau 10 en pêche! Oh oui! Alors les poissons valent plus 50%. Oh, on a pirate! On a le perk pirate! Ah non, moi je veux les vendre plus cher, ça me plaît bien. Ça me plaît. Ça me parle. Regardez cet argent, 10 000 boulets. Ah, incroyable. Donc il y en a 5, il y a 4, 1 par saison, plus le cinquième. C'est ça? On m'avait dit 5 poissons légendaires. Ah bah salut! Oh, j'étais debout tôt et j'ai nourri tous les animaux de la ferme. Ça devrait rendre ton travail un peu plus simple aujourd'hui. Mais tout est automatisé. Qu'est-ce que t'es con? Oh là là. Vous m'avez vraiment choisi la meuf la plus con. Oh, le pot-au-feu communal! Ah, va falloir ramener un petit cadeau au pot-au-feu. Le poisson qui s'appelle Pierre, ah non, je sais pas. Faut demander au pro du chat ou à Wikipédia. Ah, il va falloir que je ramène un petit truc en iridium. Ah non, 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 sortez pas. Ils sont en train de tout bouffer, ils ont tout bouffé. Oh là là! Oh là là, c'est immonde! Elle a deux têtes! Ah, oh, c'est une vache à deux têtes! Ah, une truffe là, je crois. Non, c'est une poule. Ça c'est bon. Ok. Non mais c'est juste qu'il faisait droite gauche en fait. S'il n'est pas dans un paquet, il devrait servir à rien, cela dit par défaut. Oui, carrément. Carrément et carrément. C'est pas des larges, hein. Hop. Allez, c'est parti. On va peut-être pouvoir faire un tout. Oh! Oh, de l'autre côté de la barrière. Oh, j'ai envie de faire un truc sale. Comme un bûcheron. Comme un gros bûcheron. Vous avez prévenu que j'allais faire un truc sale. Oh, du piment.
plus, c'est bien, ça repousse. Là, il n'y a rien à récupérer. Pas encore. Hein. Pas encore. Bon, on va aller ordonner la construction d'un truc. Oh. Putain, mais... Tous ces trucs qui traînent, là. Incroyable ça. De résine de pain. Ouais. Ma belle forêt. Mais lui il devrait pas être là. Ah parce que t'as les arroseurs de base. Les arroseurs X base du coup. Et après, t'en as des améliorés qui font ça. Et après, t'as encore les... Là, c'est les Deluxe, ici. Et là, t'as en Iridium qui font tout ça. Mais les radis, quels radis? Ah, mais c'est pas des radis, c'est des melons. C'est que les melons sont roses dans le jeu. Ah, c'est ça dont tu parlais. J'avais pas compris. Non, ça, c'est les melons, je crois. Et non, non, on peut pas les récolter. Du piment pour les genoux. Ah oui, c'est vrai. Ah mais le truc sale c'était juste de couper dans la barricade en fait et de faire un raccourci à l'arrache. Rien de finalement incroyable. Alors bon ça, ça, ça. Ici. Truffe. Les piments de base. On va vendre, ça on va vendre. Ça on garde. Et tout le reste on vend. Je me souviens plus quand est-ce que ça se débloque par contre. Ah mais des chemins en pierre autour des arbres, c'est... Ah oui pas con. Ça marche, Moraki, merci. Je crois que ça force de gagner des points d'agriculture, il me semble. Oui, c'est ça. Fermier niveau 6. Voilà. Alors, on a des trucs à donner, nous. On a ça. Ça, ça, ça. La géode gelée. La truffe. L'alarme gelée, je suis pas sûr. Ça, ça. Et ça, Gunther. Voilà. Bon, on va faire ça. Bon, en tout cas, ouais, en maxant des points en agriculture, de toute façon, on récupère les schémas permettant de crafter les trucs améliorés. Ah oui, on va faire ça. Putain. J'ai pas pris mon bois ni rien. On va voir. Ah mais c'est parti. Boum boum. Allez Gunther. Donnez au musée. Voilà c'est tout. C'est déjà pas mal. Les trucs à la MJC. On est mercredi. Est-ce qu'elle va bosser? On sait pas. Je crois qu'il y avait un passage au nord, hein. J'aurais pu passer au nord, je crois. tu vas t'en remettre, t'inquiète pas. Tout va bien se passer, tout est sous contrôle. Tu vas t'en remettre. Allez. Les petits cadeaux à la MJC. Ah putain, trop à gauche. Par là-bas. Non, mais non, pas du tout en plus. Les nombres d'étoiles, là, on a bien avancé sur MJC. Alors, qui quoi? Truffe, bim, cadeau. Sirop d'érable, plus tard. Ah putain, un pavot, on en a en plus. Ça, putain, champignon ne sert plus à rien. Ça, on avait du plus tard.
Boum. Le paquet complété. Un recycleur, super, le meilleur cadeau de l'univers, incroyable. Et ça plus tard, ok. Au moins c'est un truc de fait. J'ai trouvé une améthyste dans une poubelle. Les mecs ils ne savent plus quoi jeter. Incroyable. Ouais je sais, je sais. C'est le bouton ici, tout en haut à droite là. Alors. Bim. On s'en est rendu compte assez tard dans le let's play d'ailleurs. Agrandir la maison, ça coûte 5000. 100 000 pardon. On les a pas, donc pour le moment non, mais bientôt. Et par contre, construire des bâtiments. Nous voulons... L'étable 100 bois massif et 5 lingots de fer, d'accord. L'usine à slime, 1 lingot d'iridium, 10 de quartz raffiné, 500 pierres. Oh, c'est pas... Qu'on fasse ça. On va noter, hein, parce que vous savez... Ma tête de linotte. Étable, on a dit... c'est quoi? C'est 10 000, hein, c'est ça? Hop. Et 5 fer. Ok. Et l'usine à slime. C'est 10 000, mais ça, on s'en fout. L'argent, c'est pas trop un problème. 500 pierres, par contre. Probablement qu'on les a déjà. 10 quartz raffinés. On les a normalement. Et un iridium. Normalement il nous en reste un qui traîne. Ok. Comme ça on a les infos. Ah le poulailler. C'est tellement bien. Le poulailler c'est tellement cool. Surtout que ça permet... avec la mayonnaise c'est ultra rentable en fait. En début de partie c'est vraiment cool. Pas si cher à faire et dès que tu commences à avoir moult poules, la mayonnaise, ramène l'oseille à foison. Ben, n'oublions pas d'arroser. Ouais, c'est plus la peine d'arroser, je suis con. Oh, je suis pas... bon, on va mettre ça là-dedans, ça, on s'en fout. Ça marche. Ouais, non, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qu'on apprend. Et c'est ça qui donne envie de refaire des parties de toute manière. Parchemin de nain 1, il l'avait déjà du coup. Ok. Il n'est que 14h. Allons, combien avons-nous de bois dur? 78. Bon, dans quelques jours, c'est bon. Allons récolter notre bois dur. Et les chemins, on avait dit les chemins. Les chemins, le chemin. Un glitch avec le cheval sur le stand de glace. Excellent. Ah, nice. Nice, Oogie Boog. Les bonnes infos sur ce chat, incroyable. Ça, c'est pareil, hein, dès qu'il y a la hache en or là pour déblayer ce chemin et aller chercher du bois dur assez tôt dans le jeu tous les jours, c'est cool. Nice. On va récupérer ça. Ok. On va aller regarder. On va. On avait dit qu'on les faisait tomber à chaque fois qu'on les voit. On va faire des chemins comme l'a préconisé Pirate. Chemin en pierre du coup ou chemin en bois? Ah mais ouais, non mais faut qu'on commence à gérer ça, mon très cher Pirate. En pierre du coup ou en bois autour de la petite forêt là?
Qu'est-ce que vous en pensez? Fonce d'abord pour l'iridium et faire l'usine à slime. Ok, on va faire l'usine à slime en premier, si ça vous fait plaisir, pas de soucis. On s'en fout du coup. La pierre, c'est plus joli. Ok. Ah oui, bah, ah oui d'accord, bon, on a... Attendez. Non, c'est quoi? Enfin, c'est quoi le... C'est shift-click. Voilà, on garde 500 ici pour pas faire de bêtises. Ok. Parce que pour l'usine, c'était 500 pierres, 10 quartz raffinés. On va faire cuire du quartz, du coup. Et un iridium. Ah, j'ai pas un lingot d'iridium, je croyais que j'avais... Ah mais non, on l'avait perdu comme des nulos. Putain, on avait perdu comme des nulos l'iridium. Il faut les acheter, les poules. Ah, allez, le miel. Miel ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Prenons du piment. Hop là. Ça, on va le vendre. Ah, il nous manque... putain, merde, il nous manque de l'iridium pour faire l'usine. Bon, va falloir qu'on aille chercher ça. Alors, les chemins en terre. Ici. Ah, c'est classe. C'est classe et puis ça sera plus lisible. Petit dallage. Ah, c'est au hasard complet les poupoules. La couleur, c'est random. Putain, ça va nous coûter la max, hein. Allez. Hop, nice. C'est vrai que c'est plus joli. Autant autour de là, je trouve ça sympa le bois. Mais c'est vrai que là, c'est plus chouette. Encore un qui traîne là. Putain, merde. On est bon pour aller dans les mines demain. Hein. C'est ça qu'on est en train de voir. Ça sera quand même mieux. C'est une excellente idée, ça, pirate. Hein. J'aime beaucoup. Ça en permettra en plus de se trimballer plus vite. Voilà. Bêche et faux pour au-dessus. On est petit vermisseau. Ouais, statue de poule, on a chopé. Incroyable.
Les petites lucioles. Merde. Ah nice, merci pour l'info aussi pour les poules. Si on va remonter jusqu'au fruitier, peut-être pas. Nice, ok, c'est plutôt cool. Petite activité de pose de carrelage, hein. Comme il se doit. Et il nous faudrait juste un minerai d'iridium. Ça peut être bien, ouais, pour aller choper le l'iridium, l'usine à slime. J'ai bien hâte de voir comment ça fonctionne. Il est 23h, ok. Ça, ça. Et ça, du coup. Je dois vendre ça et ça. Et donc, du coup, on peut faire. Au pire, demain, on peut commencer les tables. J'avoue. Ah, moi, je l'avais déjà, la poupoule. À côté de mon beau coffre. Ah, faut que je la pose sur quelque chose. Putain. Bon, allez, au dodo. Très bien. 13h29. Très bien, très bien. Tellement dessous. C'est parfait. On est quand même bien rentable. Ça fait plaisir. Je peux pas mettre deux poules sur ma table. Le fanat des poules. Ah, je peux peut-être mettre des trucs là-dessus. Ah, je peux même pas mettre une poule sur mon petit comptoir. Merde. Artefact. Ah, faut que je donne à Gunther, du coup. Attention à toi, j'ai parfois peur que tu tombes dans une crevasse à la mine. Oh, t'es caté. Oh, c'est exactement ce que je voulais. De rien. Les poupoules, c'est la vie. Alors désolé, je suis pas très fort pour ce qui est d'écrire des lettres. J'ai fondu un peu trop de métal, je me suis dit que ça te serait utile. Un petit minerai, un petit lingot d'or, merci. Sympa. Sympa, sympa. Ici, on va aller mettre ça et ça. Et je vais... ça faudra le donner à Gunther. Ils ont encore tout mangé. Ils mangent trop. Hein. Va leur faire le régime. Salut. Le lapin. Petite truffe. Oh là là. Jamais très pratique. Ok. Ok. La dernière vache. Nice. Oh, un iridium. Oh, du large. Tout à vendre direct. Allons voir tout là-bas. Les melons qui commencent à être présents. Pour le reste, rien à récolter. Bah, le bois dur. La fixette, hein. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller chercher l'iridium. On peut commencer... Ouais, on va jamais trouver l'iridium, donc autant commencer la construction de l'étable. Après on fera l'iridium.
Et voilà. Pendant qu'on cherche l'iridium, qu'on aille le fondre, etc. Je sais pas ce qui est tombé, qui a sauté dans le truc, j'ai pas eu le temps de voir. On a 2 jours du coup pour trouver, comment ça s'appelle, de quoi faire le châtal, enfin l'usine en tout cas, et dégager le chemin pour faire l'usine. Et après, on aura largement 100 000 balles pour se faire la dernière rénovation, et on est bien. Ah le pot au feu, oh le pot au feu, oh, j'ai un truc en iridium pour le pot au feu. Oh merde, le pot au feu de mes couilles. Dommage. J'ai pas le temps pour ces bêtises. Mais j'ai hâte de voir l'usine à slime là, comment ça fonctionne. J'ai absolument rien vu à ce niveau là, donc totale découverte. Ça va être intéressant. Ah oh mais putain, je clique à côté. Bon, c'est pas grave. Ah, mais ouais, non, mais on va faire ça. Le lait d'iridium, évidemment. Attention à pas le vendre. Évidemment qu'on va se mettre un petit truc d'iridium. On va garder le bois comme ça et 5 fer. Ah bah parfait. On a tout ce qu'il faut. On garde ça ici. Hop. Le fruit qu'on garde ici. On va pouvoir faire de l'huile. Pas de truffes qui traînent. Et il va falloir déblayer du coup pour notre usine. On va probablement faire dans le coin là. Ouais, dans le coin c'est pas mal. Déblayons un petit peu en attendant. Je sais plus à quelle heure le pot-au-feu c'était aujourd'hui. Ça se trouve c'était hier, je sais plus. Déblayons. Ça a déjà commencé, d'accord. Normalement on aura la place. Ok. Qu'est-ce que je voulais remettre à la place? Ça. Allons-y. Ouais, c'est vrai qu'il faut garder des trucs en iridium pour le machin. Oh, je sais pas si on va refaire cette fête là. Est-ce vraiment intéressant sur la deuxième année? Vous avez pas encore envie de pêcher pendant 1 heure? C'est incroyable. Mais y'a rien! Y'a rien du cul! C'était hier le pot au feu! On a complètement oublié le pot au feu d'hier? On n'a pas vu le message? C'est pas impossible. Ah, c'est sur la plage. Peut-être. On va voir s'il y a quelqu'un. Fermé. D'accord, ok, merci. Putain, j'ai tellement oublié. Oh, ça fait 1 an, hein, vous savez. Le message est arrivé ce matin, d'accord. Ça fait 1 an, on a tout oublié. Mais pourquoi personne n'y va? C'est pour ça que ça... Ah, mais c'était jusqu'à 14h, c'est ça? C'était pas jusqu'à 14h. Le pot au feu du midi, hein, entre 9h et 14h, à peu près. Genre de pot au feu qu'on a loupé.
Incroyable. Et on loupe tout. Oh. Oh là là. Incroyable. On est si mauvais au jeu. Eh oui, évidemment, tout est terminé. Ah, oh, zut. Les nullos. Tant pis. On y aura cru, c'est ça qui compte. Allez. On aurait eu le temps, du coup, au lieu de faire 20 allers-retours, on aurait eu le temps d'aller tenter de choper un peu d'iridium. Mais bon. On a nos objectifs, ça c'est bien par contre. Putain, je l'ai déjà fait, car... Ah mais les jours se ressemblent, les jours se ressemblent, on ne sait plus ce qu'on fait. C'est ça de pro jouer à Stardew Valley. Et j'ai raté le grand pot-au-feu, bah ouais, le deuxième grand pot-au-feu. Merde. Bah tant pis. Apparemment, ils se sont très bien passés de moi. Je vais me faire engueuler par ma fameuse. Le grand pot-au-feuille. Ah, c'est bien, hein, c'est pas mal. Votre idée était très bien, bravo. Merci. Bon bah hop, on vend, c'est pas grave. On a besoin de sous. Ouais, non mais ouais, je me souvenais bien de l'horaire, de l'horaire, c'est ça. Est-ce qu'on a des graines sauvages du coup? On n'a absolument pas les graines sauvages. Hein. Incroyable. Bah qu'est-ce qu'on a à faire du coup? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors du coup, normalement, on a assez du coup demain pour soit la cave, soit l'étable. Est-ce que t'es pas trop vénère? Ah d'accord. Elle y est même pas allée non plus, elle. Prends ta bouteille de vin. Ah, j'ai déjà offert un cadeau. Putain, je sais même plus ce qu'on fait. Oh, je sais plus ce qu'on fait. Allez. On va se coucher. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller se coucher. Je crois que c'était une journée trop compliquée. La cave directe. Ok. On a assez. La cave. La cave et on va chercher de l'iridium. Objectif d'aujourd'hui. Rappelez-vous, gardez en tête pour moi cave et iridium. Petite musique, attention à la petite musique. Ah bonjour, j'ai planté ça dans le pot là. Ah, ça marche, merci. Tiens, moi aussi j'ai un cadeau pour toi. Ah, c'est exactement ce que je voulais. Ouais, merci. Je vais aller les vendre. C'est pas très bien de vendre les cadeaux, hein, mais... Est-ce qu'on se ferait pas des omelettes avec les œufs? Oh putain, un œuf iridium, rien que ça. Ouais, je sais, pirate. C'est où? Ah, une truffe. Hop là. Le lapin, bonjour. Il nous aime comment, les ours? De cœur. Putain, c'est trop le bordel. Oh là là. C'est chiant. Bon allez, ça ira. On a de la bouffe dans notre frigo. Oh! Des œufs au plat. Plus 20 de santé.
Hop, tiens. C'est reparti. On va garder les truffes dans l'inventaire. Ah. Moult miel. Ça, c'est cool. Par contre, ça. On va le mettre là. Et n'empêche, le cheval, c'est vachement bien parce que pour aller d'ici jusqu'à la mine, tu mets moins de 40 minutes pardon, in-game, alors que à pied, c'est quasiment 2 heures. Donc le gain de temps est complètement oufissime. Ok. Donc je peux poser. Garder ici au chaud ça. On va leur donner la construction. En espérant qu'elle bosse, hein, ce qui n'est pas gagné, vous le savez déjà. Putain, le chariot. Ouais, j'oublie tout le temps le chariot. Mais pour aller ici, je pense que c'est plus rapide à pied. Je sais pas. Oh, c'est fermé. Ah oui, 9h, ça va. Pardon, j'ai failli m'énerver pour rien. Oh, j'ai fait comme les vieux, j'ai failli m'énerver pour rien. Allez, la cave, agrandir la maison, oui. Oh merci, je commence dès demain, je devrais avoir fini dans 3 jours, d'accord. En même temps, il y a 2-3 trucs à creuser. Le petit squirrel, un petit écureuil. Et là, c'est parti pour les bonnes ambiances. Là, j'espère que vous êtes chaud pour les bonnes ambiances. Il pleut toujours pas hein, en plus évidemment, donc jamais de l'univers on aura les poissons qui manquent. Et on arrive pile poil en plus à 10h. Oh là là, incroyable. Pas grand chose. Non mais en fait il manque le poisson et Non mais elle est balèze, oui. Il manque les poissons et le truc d'affinité. Mais il manque que 3 poissons en fait. Il manque 3 poissons. Il manque le bundle d'été et d'automne qu'on est en train de faire. Et après, il manquera pour certains, pour l'amitié, là, le bundle des amitiés. Là. Et voilà. Mais ça va, on avance plutôt bien. Oh, les noix de cucu! Allez, on stresse pas. 13h45. Oh là là, ça passe si vite, putain. Oh là là, ce stream. Bon, bah on fait ça et après un moment, va falloir... Moi, faut que j'y aille. Hein. Moi, je dois faire taxi. Après, j'ai mon second métier de la journée, c'est taxi. Donc, 14h, faut que je fasse taxi. On est là pour de l'iridium. Rappelons-nous. Bah voilà. 3 iridium, 1 diamant. Comment vous expliquer que tout va très mal se passer d'ici pas longtemps? Bonne nuit, ouais, je crois que... Oh là là, regardez! Tellement d'or! Meunier, tu dors, hein? Bonne nuit, moult bisous! Doudoum, doum. Petite musique. Allez. L'épée en premier. Oh. Shenron. 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 Nice. Oh, regardez tous ces slimes. Très bien. Putain, merde. Ça va. 4 d'iridium, pas mal. Ouais, non, les Shenron, ils sont dégueulasses du cul. Ah non, les drops. Les drops, c'est chez vous. Garantie.
Ah, pour ça, on est en 900p et tout. En tout cas, ouais, le... Un passage est apparu. Oui. Oui, d'accord, ok. On a tout. C'était en effet un niveau à Baston. C'était le niveau Gaston. Pas si mal, pas si mal. Ah, l'épée galactique de l'univers. Il faut donner un prisme. Le truc, la multicolore, la pierre la plus rare de l'univers, au milieu des trois piliers. En dehors d'ici. Dans le désert. La meilleure épée du jeu qui, à mon goût, ne fait pas assez de dégâts. Mais ça, c'est parce que... Vous savez, j'aime les gros dégâts. Nice. Je l'ai eu ici dans les mines du machin, mais au random. Tout se passe bien. Faut juste avoir de la moule en vrai. Ok. Bel étage. Ah, le bel étage. Le bel étage useless au possible. Oh! Ah merde! Trop lent. Mais finalement... Oh mais j'aime pas ces étages, y'a pas de putain de truc. Cela dit, j'ai ce qu'il me faut, hein. On pourrait aussi décider de dégarpiller. Ça peut être une stratégie payante. Et ne rien perdre. A priori, plus tu descends, plus il y a de chances que ça drop les trucs rares. Mais alors là... Les drop rates, hein. Allô ? Bonjour pirate ! Ah, c'est Twitch qui fait de la merde encore, c'est ça ? C'est pour ça qu'il n'y a plus personne ? Ah, on peut pas travailler dans ces conditions, hein. Ah, nice, le retour. N'hésitez pas à dire KFC dans le chat. Hein, c'est leur connexion moisie. Mais c'est bien pour faire... C'est toujours rigolo de remettre ça sur la faute des autres, hein, évidemment. Tout le monde est au courant que c'est leur connexion de merde, mais on dit que c'est la faute de Twitch. Évidemment. Ce qui est en partie pas totalement faux. En fonction de ton fournisseur d'accès internet, c'est un peu aussi la faute à Twitch. Tirli Toto, faites Tirli Toto dans le chat. Si tout est sous contrôle, marquez Tirli Toto. Hein, faut mettre des mots à la con pour vous faire chier, évidemment. J'avais pas vu. Bravo. Bon, la vie, ça va. Parce qu'on rigole, hein. Ça, c'est comme ça qu'on est mort la dernière fois. On rigolait, on lisait le chat. C'est pour ça que finalement, soyons sereins. Tirli Pimpon, ouais, c'est ça. Exactement. Ah. Bravo, Music Box a suivi. Bobox, des bisous, Bobox, hein, qui nous suit de loin d'une oreille. Bon courage pour le taf. Moult bisous. N'hésitez pas à aller voir Bobox, qui stream de temps à autre en ce moment du Monster World. C'est ça, un Monster Hunter World, c'est ça, je crois. Hein. Moi, vous savez le nom des jeux vidéo. Moi, je suis encore en train d'apprendre à lire et à écrire, donc. Ah, Shiva et Bobox en même temps, sur la même ligne. Ça, c'est beau. Bon, par contre, la sortie, ça aussi, ça serait beau. Avant de se faire défoncer par un Shenron. Ah,
Allez. Moi, je vais manger parce que je suis pas serein. Ah, putain, mais ça... Oh, trop bien, l'iridium dans un petit rocher de merde. Non, mais Stardew en multi... On a dit qu'on n'a pas le droit. Ah, nice. Moi, j'ai même offert le jeu à ma femeuf en prévision, du coup. Également. Oh, putain, tout se passe mal. Mais on y croit. Bon allez, arrêtons les conneries. Ouais, ouais, sortir de la mine. Putain de Shenron. Cassons-nous. Quelle heure? En plus 13h53, c'est parfait. On va y aller. Oui, retour à Stardew Valley. Le retour tranquillou. Nice. Salut Chiro. Ah ouais, non mais là c'est clair. Va falloir. Alors qu'est-ce qu'on vend? Ça évidemment. Ça aussi. Ça va et toi? On va mettre de côté. Oh, il y a une truffe qui est sortie. Ça. On va mettre fondre cet iridium. On va prendre ça et en remettre un tout de suite. On va aller récupérer l'autre. Un peu décousu, mais on s'en sort. D'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce qu'il n'y avait pas des trucs à récolter? Je sais plus si je suis allé vérifier. À partir de la semaine prochaine, mais je sais pas trop quand, Bobox. Probablement en soir, donc ça se trouve, tu pourrais participer. Alors, également. Ça ici. Il y avait également le quartz. Tac. Non, pas ça et là. Ça ici. Est-ce que j'ai rien oublié à ranger? Non, je crois pas. Je suis les bombes. Hop. Ouais, exactement, The Boss, on fait ça, ouais, c'est ça qui est prévu. Comment ça se fait que j'ai aussi peu d'argent à ce stade du jeu? C'est parce que je viens de claquer 100 000 balles pour la cave. On vend ça. Ça, on le garde. Et on va aller au dodo. Évidemment. Et on va clore l'épisode pour YouTube. Ouais, t'auras un perso level 1, mais c'est pas très grave, hein. C'est un peu le stream du n'importe quoi, Baldur's Gate, donc ne t'inquiète pas. Ah, incroyable. Et voilà, YouTube, c'est terminé pour cet épisode. Oh, putain, l'épisode, alors ça va. On est encore dans les anciens temps assez corrects, hein, presque 1h30, 1h25. Donc tout va bien. On se retrouve très bientôt, YouTube, pour la suite de Stardew Valley. Avec grand plaisir, nous te faisons toutes et tous de gros bisous. Et on te dit à très bientôt. Goodbye, farewell.